Salut famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien. Deuxième vidéo de la journée, on parle de trois artistes. Je sais que les légionnaires sont contents parce que quand je parle de Debordeaux, ils sont aux anges. On parle de Debordeaux Likoufa. On parle aussi d'un grand, moi je l'appelle plus jeune rappeur ivoirien, très grand rappeur ivoirien, du nom de Suspect 95 et encore de Kankou Moussa alias Ibawan, le boss des Gladia. Voilà. Il faut qu'on parle un peu d'Ibawan parce que Ibawan, demain et après-demain, c'est deux gros shows. Voilà. Donc, veuillez vous installer et puis n'oubliez pas de vous abonner, de continuer à vous abonner, chers Gladia et chers abonnés, aux chaînes YouTube de BF Empire, le label de production de mon artiste First King, parce qu'il y a un gros clip, un très gros clip qui est en train de venir. Voilà, on démarre la vidéo maintenant. À tout à l'heure, les amis. Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est progrès, à la base, je possède, adhère, firme. Bon retour les gars, bon retour. On va rapidement parler de Ibawan parce que j'ai pas trop à dire sur Ibawan. Bon, vous savez que déjà il y a une vidéo en ligne que j'ai fait aujourd'hui qui est en train de bien se comporter. Nous avons déjà dépassé les 2000 vues en quelques heures seulement. Et je lis les commentaires, je lis les commentaires, je lis les commentaires. Mais moi, ce que j'aimerais dire aux Gladia, moi je sais que les Gladia doivent être à l'image de leur artiste, Kankou Moussa, s'il vous plaît. Voilà, je pense que vous devez être à l'image de votre boss, Kankou Moussa, alias Ibawan. Parce que pour ma part, hein, pour ce que je sais, Ibawan est un artiste très humble, très humble, très engagé, qui a reçu une très bonne éducation et qui n'aime pas normalement les histoires. C'est vrai qu'on me dira que c'est impossible sa réconciliation avec Sidiki Diabaté, mais moi j'y crois. Parce que, comme j'ai pour coutume de le dire, il n'y a pas de problème sans solution. Ça n'existe nullement par ailleurs. Voilà, il n'y a pas de problème sans solution. Donc, j'invite les Gladiats à mettre un peu d'eau dans votre vin pour vraiment aller à cette réconciliation-là. Voilà, rendez possible cette réconciliation-là. C'est vrai que vous pensez que c'est impossible à cause de vos préjugés, à cause de vos observations. Je vous comprends pleinement. Je ne vous oblige pas, mais je vous demande de cultiver ce talent de paix là, cet amour fraternel là, il doit exister parce que nous sommes tous ivoiriens, nous sommes tous maliens, nous sommes tous africains. Donc j'invite vraiment les Gladias à mettre un peu bas la terre. J'invite aussi les fans de Sidiki Diabaté au passage de créer les moyens de cette réconciliation là. Voilà, chacun pense qu'il a raison, chacun pense que son artiste est meilleur que l'autre, ça c'est des avis partagés, je les respecte, mais il faut vraiment penser à cette réconciliation-là parce que trop c'est trop, on n'a pas besoin de ça dans notre musique africaine. Tous les artistes africains doivent être réunis pour la promotion de notre musique africaine. Donc engagez-vous, engagez-vous, mettez votre orgueil de côté, mettez votre haine de côté pour aller à cette paix-là, cette véritable paix-là. Voilà. Mais en fait, parler de Ibawan, ce n'était pas parler de cette histoire de réconciliation, c'est juste pour vous rappeler que demain, c'est le 21 février. Et il y a Papa Youssoundou qui a mis en super guest star notre empereur Kankou Moussa, qui vous a déjà demandé de sortir massivement demain au stade Omnisports de Bamako pour faire la fête avec Papa Youssoundou. Donc j'invite tous les Gladias, voilà, tous les Gladias qui ont déjà été bercés par les chansons de Papa Youssoundou de sortir parce que le boss Ibawan vous a déjà lancé un appel. Donc répondez présent, sortez massivement. Les tickets sont de 2000, 5000. Et 15 000, sortez massivement, massivement les Gladias. Voilà, sortez massivement parce que Ibawan vous invite au show de Papa Youssoundou. Après le show de Papa Youssoundou, Ibawan enchaîne avec le stade de Kati. Voilà, le stade Vincent Traoré de Kati. Et je sais que là-bas, les Gladias sont déjà prêts. Les Gladias ont déjà fini les tickets. Et ça sera une très belle fête. Allez casser le stade de Kati. Allez soutenir votre superstar, votre empereur Kankou Moussa. Parce que c'est la musique malienne qui gagne. C'est tout le continent africain qui a l'honneur. Donc sortez massivement, soutenez Ibawan. On va parler maintenant de Suspect 95. Je l'ai bien mentionné. Oui, Suspect 95 établit un nouveau record dans le rap ivoire. Peut-être que beaucoup ne le savent pas, mais je vais vous le dire. Je vais vous le dire parce que Suspect 95 est un artiste très prometteur. Franchement, depuis sa sortie, depuis son featuring là, révélé avec Baby Philippe, il n'a jamais cessé de nous épater avec ses tubes qu'il enchaîne. Et dernièrement, son tube réponse au dernier morceau de notre artiste coupé décalé DJ Léo a dépassé le million de vues en seulement 10 jours. Voilà, 10 jours, ça n'a jamais existé dans notre rap ivoire. Voilà, là, cette vidéo-là, c'est spécialement pour dire que c'est vrai que Suspect 95
n'est pas dans un gros label, n'a pas peut-être des grosses connexions, mais c'est un bosseur, il est super talentueux. Voilà, depuis que le rap ivoirien existe, c'est lui seul qui vient d'établir ce genre de record-là. J'ai dit bien en 10 petits jours, et c'est le morceau audio. Donc, félicitons tous 695 pour cet exploit-là, parce que c'est un artiste à encourager, à surveiller de près, parce que je sais qu'il va rendre très fier notre pays, la Côte d'Ivoire. J'amène aussi ma force à tout le reste des artistes du rap ivoire, c'est-à-dire les Kiff No Beat, MC One, Jojo le Barbu et consorts. En tout cas, vous avez bien vu, Suspect 95 est un artiste pétri de talent, et je sais aussi que vous êtes pétri de talent. Mais il faut quand même souvent féliciter vos amis quand ils réalisent des exploits. C'est très important. Quand c'est comme ça, c'est vrai que ça reste le rap game. Vous vous clashez de temps en temps, mais quand votre ami fait un exploit, vous devez en parler, vous devez en faire la promotion. Et pour ça même, j'ai mon prochain micro-trottoir qui tourne autour de ce sujet-là, qui est du coupé-décalé, du zouglou et du rap ivoire qui contrôle actuellement. Voilà, parce qu'actuellement, je ne suis pas sûr pour ma part que le coupé-décalé contrôle comme avant. Donc, j'ai fait ce micro-trottoir-là et il sera diffusé demain, non pas demain, samedi 15h. Voilà, donc je vous rappelle encore le sujet de mon prochain micro-trottoir. Entre le Zouglou, le coupé décalé et le rap ivoire qui contrôle actuellement en Côte d'Ivoire ici. Donc c'est un peu ça, ce sera ça mon prochain micro-trottoir, samedi 15h. Donc félicitations à toi Suspect 95 pour le travail que tu as bas. Je suis fier de toi, voilà, je suis très fier de toi. Dépasser le million de vues en 10 jours, surtout sur un son audio, on dira que c'est un son buzz, mais ah, quand t'es pas fort, on ne t'écoute pas. C'est ça aussi la vérité. Quand tu n'es pas fort, on ne t'écoute pas. On t'ignore à la limite. Voilà. C'est parce qu'il a confirmé que les gens se sont intéressés à la réponse qu'il pouvait donner au son de DJ Léo. Donc, toutes mes félicitations à l'endroit de Suspect 95 de la part de ton frère, Eritor. Maintenant, on parle de Que du sale. Enfin, Que du sale sort. Oui, Que du sale sort bientôt. Et la date est connue. C'était une joie parmi les fans des Débordeaux et même des détracteurs des Débordeaux qui disent enfin, il va nous donner ce que du sale là, on va l'attacher un peu. Mais méprenez-vous parce que je sais que vous aurez honte. Voilà, Débordeaux va encore confirmer. Parce que lui, c'est vrai qu'il nous fait beaucoup attendre avant de sortir un son, mais quand il sort, il est sorti. Et donc, veuillez vous asseoir, veuillez vous installer, veuillez patienter parce que c'est le 15 mars. Voilà, d'autres pensent que c'est long, mais ça va arriver très vite. 15 mars 2020, 1h23h59. Ne vous faites pas raconter l'événement. Donc, chers légionnaires, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le coupé-décalé dort trop. Et on doit faire bouger ce coupé-décalé à travers Que du sale. Par les partages. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page, pour ne pas dire la chaîne YouTube des Débordeaux Likoufa, c'est maintenant. Voilà, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement à sa chaîne YouTube avant la sortie de Que du sale. Parce que c'est un morceau qui est tellement attendu par les mélomanes ivoiriens que c'est nous, les fans de Bordeaux, qui devons relever ce défi-là. Et je pense que ce son-là va vraiment cartonner. Voilà, il va vraiment cartonner. On prie que ce soit un enchaînement de sons. Voilà, même si on sait que notre artiste n'est pas trop spécialiste dans ce domaine-là. Mais c'est notre souhait. On espère qu'il enchaînera des sons. Et vous dites que Débordeaux reviendra dans le mois de mars en Côte d'Ivoire parce que normalement sa petite tournée européenne était seulement d'un mois, mais vous savez, Débordeaux Likoufa, c'est un artiste bankable, c'est-à-dire un artiste qui marche bien. Quand il se retrouve quelque part, même s'il va simplement pour des vacances, il y a des promoteurs qui sont obligés de le contacter pour certains shows. Et c'est ce qui fait que jusque-là, vous ne le voyez pas encore en Côte d'Ivoire. Donc soyez patient, bientôt il rentrera. Voilà, bientôt il rentrera et il nous donnera Que du sale. Retenez cette date. Que du sale sort le 15 mars 2020 à partir de 23h59. Minuit, nous sommes au 16 mars. 23h59, 15 mars, c'est la date de sortie de ce hit tant attendu là. Donc, chers légionnaires, c'était l'info à passer. Soutenez toujours votre artiste, quel que soit Alpha, parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le soutenir pour vous. Voilà, restez lui fidèle. Sortez massivement à ces différents shows. Je pense qu'il sera au Maroc demain, 21. Il va aller rencontrer ses fans légionnaires du Maroc. Donc, vous devez sortir massivement. Je compte vraiment sur votre présence à ces différents shows. Le 29 à Hambourg, en Allemagne.
Mais demain, il sera au Maroc. Donc, max de partage et partagez l'info. C'est des Bordeaux Likoufa, vous savez que ça ne chauffe pas. C'était votre humble serviteur Héritor. Passez une excellente soirée. Et n'oubliez pas, samedi 15h, mon troisième micro-trottoir. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.